Et la religion, on en parle dans ton bar. Et le cul, on en discute dans ta ville. Maurice, bien. C'est la nuit, c'est parti. Nous vivons aujourd'hui dans une société où on essaie d'avoir le moins de conflits possible. Il n'y a plus de vrais débats, il n'y a plus de vrais face-à-face. Et tout à coup, il y a quelques personnes qui sortent du lot, quelques personnes qui osent dire la vérité et qui font scandale. Anémone, vous faites un peu partie de ces gens-là, ces provocateurs. Je me souviens en particulier au César, scandale. Vous aviez poussé un coup de gueule. C'est pas ça le scandale. Moi, j'aime bien le chahut. Mais c'est pas pareil le scandale et le chahut. Oui, au César, vous aviez fait scandale pourtant. Chahut. Je me fais faire un costume et réciter un poème. Ouais, d'accord. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Maurice ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Maurice. C'est un animateur de radio. J'en ai un dans ma famille. Oui, ça ne doit pas être celui-là. Je pense pas. Enfin, vous nous direz ça tout à l'heure. C'est la nouvelle star des ados. C'est vrai que les parents, très souvent, ne le connaissent pas, puisque ce sont les enfants qui, chaque soir, se branchent à 22h sur Skyrock pour l'écouter. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des propos un peu durs, parfois. C'est vrai que c'est quelqu'un qui dit... Toujours juste. Ça, c'est vous nous le direz. Vous nous le direz. Oui. On va regarder tout de suite ce qu'il fait. Et puis, vous allez nous dire juste après ce que vous en pensez. Maurice, sur Skyrock. Vous êtes très mal tombé. Maurice sur Skyrock va parler. Allô, Kevin, je te prie. Comment ça, petit Maurice ? Tu ne m'appelles pas petit Maurice, vieux. Ouais, d'accord. Qui es-tu ? Quoi ? Qui es-tu ? Frédéric de Grenoble. Quel âge es-tu ? 21 ans. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Échappe-toi d'ici. Sandrine ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, t'aimes les gens francs ? Je n'ai rien à foutre des gens. Ouais, c'est vrai que pour toi, on n'est rien. Comment ? C'est vrai que pour toi, on n'est rien. C'est vrai, petite. Bon, Sandrine ? T'envoies un peu trop chier les gens. Oui, c'est pour ça que je vais essayer de me passer de toi, pour éviter de te faire souffrir. Là, Kivana, je te prie. Ah voilà, je suis cocu, Maurice. Tu veux dire quoi, être cocu pour toi ? C'est toute une vie écroulée, c'est un gosse qui va se retrouver tout seul, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jean-Luc ? Je l'ai piégé bêtement et j'ai su qui c'était, je sais qui c'est et je vais chez lui actuellement là. Pourquoi foutre ? Pour le tuer. Ça va t'apporter quoi de l'avoir tué ? Tranquillité, Maurice. Tranquillité d'une cellule ? C'est Maurice, la solitude morbide et carcérale, je l'ai actuellement. Non, vieux, tu ne l'as pas. Dans 5 ans, quand cette fille ne viendra pas te voir, quand ton enfant ne voudra plus te voir, et que tu seras enfermé dans cette cellule et que tu entendras les avions passer dans le ciel, tu te diras, putain, j'ai fait une connerie. Mais ce sera trop tard. Tu le sais, tout cela, Jean-Luc ? Non, j'y ai pas pensé. Merci, Maurice. Merci bien. Ne me dis pas merci, vieux. Ne me dis pas merci, c'est à toi qu'il faut dire merci. Maurice ! Je voudrais te pousser un coup de gueule. Ne pousse pas de coup de gueule ici, tu entends ? Je ne supporte pas. Ok, c'est toi, je te répète qu'il ne faut surtout pas m'appeler, et surtout pas ce soir, pour me demander ce que je pense de ci ou de là. Ne viens pas pour que je puisse te noter. Tu sais qu'avec le caractère que j'ai, si je te note, ce sera bien bas. Après ça, tu pourras dire que je suis une salope, hein. Maurice. 16 42 36 96 96, je t'ai dit, je veux des filles dans mon téléphone. Des filles avec des seins, hein. Et je veux des vieux. De vrais vieux avec des histoires, la peau fripée. Et cette odeur de pisse. Alors, qui va là ? Skyrock ? Non, il n'y a pas de Skyrock ici. Cédric et Nadia, venez me voir, s'il vous plaît. Venez me voir rapidement, je vous prie ! Je vais être un peu plus ferme avec vous. Ce que je voudrais, ce sont des gens qui ont des choses à dire, vraiment. Pas des trous du cul, qui ne savent pas quoi faire ce soir parce que le match est terminé. Je veux des gens qui ont des trucs à dire. Par des pauvres types comme ceux qui viennent s'installer dans mon téléphone. C'est un ramassis de nullards, de paumés. Vous demanderez si c'est possible de faire un tri en vrai. Allô, Kevala, je te prie. Non, c'est Vincent. T'as quel âge, tu es à quel endroit ? 17 ans, j'appelle à côté de Versailles. Bon, dis-moi, je voulais te poser une question, Maurice. Possible ? Dépêche-toi. Je voulais savoir si tu étais raciste. Oui, si, profondément. Tu l'es ? Ouais, oui, je le suis. Ah, je le suis aussi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Pourquoi je suis raciste ? Moi, je suis raciste parce que je suis con. J'ai raison de ne pas aimer les nègres parce que j'en suis un. Ouais. Ça me fait plaisir quand tu as douleur ou quand quelque chose te déplaît que tu viennes vers moi, le négro, pour me demander ce que j'en pense.
Ouais. Ouais, échappe-toi d'ici, va. Avant que je te brûle. Anémone, il y a des propos plutôt violents parfois. Ça vous fait rire, c'est vous craignez ce genre de... C'est humoristique, ça, oui, ça me fait rire. Vous laisseriez vos enfants écouter ça? Oui, ben ça les défoule. Ah oui, d'accord. Ça, ils font ça avec Maurice et puis comme ça, moi, je suis tranquille pendant ce temps-là. Comme ça, ils ne font pas avec vous. Oui. Maurice est ce soir sur ce plateau. Tout de suite, Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un provocateur? C'est vous les provocateurs. Pourquoi? Ce que je viens de voir, c'est pas ce que je fais le soir. C'est une émission qui dure 3 heures. C'est sans doute ce qui est le plus vendeur dans l'émission. C'est ce qui fait votre succès en même temps. Non, c'est pas ce qui fait votre succès. Une haute tenue intellectuelle qui est vachement même trapue. Non, mais ce n'est pas du tout une émission, ce n'est pas ça. On ne peut pas faire une émission tous les soirs, 320 jours par an, en disant aux gens, casse-toi, échappe-toi, machin. Vous le dites souvent quand même. Mais moi je vous ai écouté, vous le dites souvent. C'est une émission où les gens parlent. Ouais. La force du truc, c'est justement qu'il y a des gens qui parlent. C'est sans et musique. Puis, il y a à côté de ça des moments où les mecs se font raccrocher parce qu'ils n'ont rien à dire. Votre réaction par rapport à ces gens-là, c'est parfois des réactions violentes, des réactions dures? Oui, comme je te dis, je suis comme tout le monde. C'est parce que c'est le côté... Ça plaît aux gens, ça. C'est la volonté. Je suis comme tout le monde. J'ai des moments où je suis plutôt gentil, heureux, tout ça. Cette fille magique, merveilleuse, avec sa poitrine, tout ça. Ça m'excite, donc je l'embrasse, parce que ça me donne du bonheur. Et puis, tout à l'heure, t'as un mec qui va venir m'emmerder dehors, et je vais lui dire, tu me laisses tranquille immédiatement, mais comme tout le monde. On pourrait dire... Je vous prie de m'excuser, vous m'insupportez, au lieu de lâche-moi la grappe, connard, par exemple. C'est vrai qu'on pourrait dire ça. Mais pourrait, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Ouais. On peut dire l'un ou l'autre. Moi, j'ai choisi. Oui, finalement, c'est le même sens. Oui. Alors, pour avoir un peu la réaction des gens, la réaction des auditeurs de Skyrock, nous sommes allés dans la rue et nous avons demandé aux gens de vous poser des questions qui sont parfois, c'est vrai, un peu violentes, un peu dures, mais c'est les questions que les gens ont posées. On regarde la première question. On regarde où? Maurice, t'es à la radio parce que t'as une sale gueule? Ça commence fort. Première question. Je ne sais pas, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on m'embauchait. Ouais. Mais non, ça n'a pas... La radio, cette jeune fille, elle ne sait pas. La radio, c'est un truc qui s'écoute. On ne le fait pas parce que je suis à la radio aujourd'hui. Oui, on sélectionne pas particulièrement les mecs en fonction de leur... Et je pense pas avoir une sale gueule, je plais beaucoup aux filles. Oui, d'accord, deuxième question. Coco Maurice, dis-moi la vérité, combien tu gagnes? Alors, le salaire. Beaucoup d'argent, trop, c'est scandaleux. Ouais. Plus précisément 7500 francs par mois, en deux fois. C'est tabou l'argent? C'est un des sujets qu'on ne peut pas aborder avec vous? Ben, ça dépend, avec moi on peut tout aborder, mais avec les gens qui me payent c'est plus difficile. Ok, question suivante. Maurice, êtes-vous violent avec votre petite amie? J'ai pas de petite amie, ça tourne un peu mal. Non mais il y a cette notion de violence donc, dont je on parlait. Fille, hein, petite. Est-ce que vous tabassez les filles quoi? Non. Non, pourquoi? Voilà. Mais cette violence que vous exprimez, est-ce que vous l'exprimez également dans la vie quotidienne? Je suis pas comédien. Moi, je suis pas comédien. Je suis pas un mec auquel on dit maintenant tu vas rentrer dans tel personnage. Je suis le même mec tout le temps et le soir à 22h, c'est le même mec qui s'installe. Je suis sans doute un peu violent et je suis du matin au soir un peu violent, mais ça veut pas dire tout le temps. Il y a quand je vais acheter une baguette, je chope pas le mec par les cheveux pour lui dire maintenant tu me donnes une baguette. Mais si, c'est vrai que je suis un type qui exagère tout le temps, donc il y a souvent disproportion. Si on vient m'agacer, je deviens très très désagréable. Et dans la vie comme à la radio? Oui, parce que la radio c'est dans ma vie aussi, hein, faut le savoir. Donc vous ne jouez pas un personnage? C'est pas notre mec, hein, c'est moi tout le temps. Vous êtes en train de nous dire que vous ne jouez pas un personnage à la radio, vous êtes nature? Oui. C'est ça? Oui, j'ai pas le talent pour jouer un personnage. Ok. Je l'aurais bien fait. Hein. Question suivante, recueillie dans la rue. Maurice, est-ce que vous croyez à l'amour? Je l'ai pas encore croisé, mais je pense que ça doit être bien. Quand on vous entend dire dans le film de tout à l'heure « Je n'aime pas les gens », c'est de l'humour? Non, c'est pas de l'humour, c'est vrai que je n'aime pas bon, les gens. Ah bon, c'est vrai? Moi, ça m'a fait rire. Ouais, ben, c'est bien. Ouais. Donc, tu vois, ça peut permettre qu'il y a des gens qui vont le prendre en se disant « Ah oh, merde, il n'aime pas les gens ». Anémone va se dire « Oh, il est drôle comme mec, ouais. Super !» Et la réalité, c'est quoi? C'est que je n'aime pas les gens, c'est que je m'aime moi, je suis un égocentrique, un prétentieux et un but. Donc je concentre toute mon énergie sur moi. L'amour de soi, bah oui, c'est par là qu'il faut commencer de toute façon. D'accord, alors dans un instant, nous allons poursuivre cette séquence en recevant une femme qui fait scandale à sa façon, c'est Marlène. Maurice, vous pensez quoi de Marlène, en deux mots, avant de l'accueillir?
Je ne connais pas Marlène. Bon. Je l'ai eu une fois au téléphone. Non, mais attends, putain, merde. Mais on ne peut pas connaître tout le monde. Je ne connaissais pas Marlène du tout. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a 2 mois. Où elle était, je crois qu'elle était à Toulouse, et on m'a téléphoné, etc. J'ai eu au téléphone, un peu rapidement, hein, c'était furtif. La seule chose que j'ai entendue de cette fille, c'est « il me casse les couilles ». Moi, dans ces cas-là... Moi, j'aurais dit les burnes. Oui, c'est possible. Mais, tout en douceur, tout en finesse, ce soir. Ça m'intéresse plus. Ouais. Ça ne m'intéresse plus. Maintenant, je n'ai pas de jugement à porter sur elle. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas. Un coup, on me dit qu'elle fait une émission à la télé. Un coup, on me dit qu'elle en a fait. Je ne sais pas. C'est vrai qu'en tout cas, qu'elle fait la une de la plupart des journaux depuis quelques mois. On la voit partout. Donc, vous allez avoir l'occasion de la rencontrer puisque elle varie. Alors, Marlène, je voudrais savoir si tu as besoin de t'affirmer à travers ta vulgarité. Ah bon, il trouve que on avait dit ça commence bien. Ah, on y va. Bah, s'il trouve que la provocation est vulgaire, c'est sa façon de voir les choses. Je pense seulement que je suis peut-être plus sexy que les autres. Alors comme ça sort du commun, ça a tendance à pour certaines personnes, ils trouvent que c'est vulgaire, mais je pense pas être vulgaire. Il y a des gens beaucoup plus vulgaires que moi. Je pense pas qu'une nana qui se met toute nue soit une nana vulgaire. Puisque toutes les filles, ça je le dis, parce qu'il faut que les gens le sachent, toutes les filles se mettent toutes nues à un moment ou à un autre. Hein. Et ce ne sont pas forcément... C'est vrai que l'idée, c'est plutôt d'en faire son métier. Et d'en faire un commerce. Si la nana en fait son métier, c'est forcément qu'à l'autre bout. Tu sais, c'est comme la mort sur la route. Hein. C'est qu'à l'autre bout, il y a des gens qui ont envie de voir ça. Toi, le soir, pas photo de Marlène, enfermée dans ta piole, qu'est-ce que tu fais? D'accord, on va passer tout de suite à la question suivante. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.